Allez, c'est reparti pour l'enfer. Salut tout le monde, je suis Nala, salut Mickey. Aujourd'hui, on se retrouve dans un 40e épisode de Evoland 2, où nous essayons toujours de nous en sortir au milieu de ce labyrinthe pustulescent et infernal par le pouvoir de la glace. Faites-moi pas chier, s'il vous plaît. Voilà, il en reste plus qu'un. Vous m'entendez? Il en reste plus qu'un. C'est faisable, c'est finissable. Il est toujours là. Il est toujours là. Par le pouvoir de la glace, arrête de m'emmerder. Ça a fonctionné, c'est parfait. J'ai même pas eu besoin de refaire trop mon introduction. Ça s'est bien passé. On va pouvoir enfin essayer de retrouver Cérès. Vous nous la faites à l'envers, si vous vous souvenez bien. On s'est servi de nous, quoi. Hein? Moi, je fais les cœurs. Ah, j'ai très mal. Ah, je crois qu'on a dépassé la bestiole. Quelqu'un a vu Cérès? Fina? Non, je l'ai pas vu. Mais j'ai mal au ventre. Ouais, bon, je sais. Ménos? Bon, rien à signaler. Velvet? Attends, c'est quoi là, ce qu'il y a là-bas devant? Je crois apercevoir quelque chose. Oh, attends. C'était quoi cette explosion? J'ai l'impression qu'on perd de l'altitude. Ce n'est pas qu'une impression. Cette créature est en train de descendre. Elle va s'écraser. Bla, la bla. Ina, Fina, Ménos, Velvet, mais comment vous tenez tous les quatre sur un aussi petit machin? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous faites là? On est venu t'empêcher de détruire le temps. Désolé, Cérès, mais on ne peut pas te laisser faire une telle chose. Vous ne comprenez pas. Il le faut. Et de toute façon, il est déjà trop tard. J'ai détruit le cœur du gardien. Il va s'écraser et me permettre d'accéder au projet. Le projet? Mais de quoi s'agit-il exactement? Vous l'ignorez? Pourtant, vous avez bien voyagé à l'époque magie, non? Ah, je dois faire vite. Sinon, le professeur Girard m'empêchera de détruire le projet. Adieu. Bon. Cérès va me détruire. Yay! Au final, ça revient pratiquement à ce que je disais auparavant. Hein. Ce qu'il fallait effacer avec la clé magie, ce n'était pas l'arme, c'était moi. Bon, sauf qu'en fait, c'était plutôt Cérès. Mais bon, le professeur Giraud, mais il n'est pas mort. Il faut croire que non. Mais vous écoutez ce qu'on vous dit. Regardez, le gardien va s'écraser au sol. Le pauvre. Attendez, est-ce que vous êtes en train de me dire que j'ai fait toute une phase aquatique de vol comme ça, de shoot them up, galère au milieu d'un intestin de mine, tout ça pour rire? Regardez, c'est l'anomalie. Je me disais bien que le gardien venait de l'anomalie. Comment est-ce possible? Elle a été causée par la mort du gardien? J'ai aperçu une explosion lorsqu'il s'est écrasé. C'est sûrement de cela que parlait Cérès. L'accès au projet, il se trouverait dans l'anomalie. Si c'est le cas, nous devons nous y rendre au plus vite. Nous devons empêcher Cérès de détruire le temps. Je compte sur toi, Ina. Fine. Wow! J'ai l'impression d'être tendu en 5! Wow! Non, en 4, parce qu'on est 4. Et fuck.
Bon, où sont mes pilules pour le mal de mer? Ah, j'en ai jamais eu. Let's go! Qu'est-ce que... Est-ce qu'on avait récupéré la pierre magie? Je sais plus. Ceci n'était pas là la dernière fois que nous sommes venus ici. J'en donnerai ma tête à couper. Vu le nombre de changements que nous apportons à la trame temporelle, j'avoue ne plus trop savoir. En tout cas, ce symbole est le même que celui de la pierre du temps. Effectivement. La pierre du temps. Et dire que j'ai toujours rêvé de la trouver. Allons la chercher. Mais je l'ai pas déjà. Espérons que cela nous mènera à Cérès. Notre quête touche à sa fin. Si je me souviens bien, on l'avait laissé sur l'île maudite. Mais putain, je l'ai pas récupéré, c'est pas vrai! C'est pas grave. On a le droit d'être complètement à côté de la plaque, hein? Ah, c'est pas grave, je vous jure. Ramène-toi. J'étais persuadé de l'avoir récupéré parce qu'il y avait d'autres téléportes, d'autres manipulateurs de temps plus intéressants. Enfin bref. Allez, on est reparti pour prendre la mer. Pourquoi? J'en ai aucune idée. À vélo, tout le monde! Et plus vite que ça! Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, je suis tendu en quatre, j'ai l'impression de voir sextuple. C'est bizarre. Si vous me refaites la même conversation... Non, ça va... Ah. Pourquoi j'ai... Ah oui, c'est vrai, j'avais pris de... J'ai plein de gelées vertes, j'ai mes deux potions, j'ai un mana et j'ai surtout la pierre du temps. Un portail est apparu! Vite, Tina! Je ne comprends pas pourquoi Cérès fait tout ça, mais il faut l'en empêcher! Solid Snail, rappelle-toi que Cérès possède la puissance de l'arme. Je ne pense pas que nous puissions la convaincre d'arrêter sans l'affronter. J'espère que tu es bien préparé. T'inquiète, c'est mon job! Cérès a sûrement de bonnes raisons de faire ce qu'elle a fait. Tu ne crois pas, Ina? Ouais, mais j'aime pas ses raisons, parce que je connais ses raisons! Peut-être qu'on ferait mieux de ne pas intervenir. Je ne sais pas. Prenons ce portail. Salut les Maggie! Mais où est-ce qu'on est? C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Qu'est-ce que... Quel objet des plus étranges? On dirait qu'il contient tout l'univers. Pas l'univers. Le temps. Cérès, où est-ce qu'on est? Au cœur de l'anomalie, là où les Maggie ont caché leur plus grand projet. Alors c'est donc ça le projet? Mais pourquoi vouloir le détruire? Les Maggie voulaient empêcher la fin du temps. Ils ont donc construit le projet pour courber le temps. Courber le temps? Détruire le projet va certainement détruire le temps. Mais s'il existe une chance même infime que ce ne soit pas le cas... Alors il faut le faire. C'est le seul choix possible. Ah, c'est pas moi le projet. Ça me surprend. Non, Cérès, on a toujours le choix. Si c'est ce que vous pensez. Mais Fina! Fina! Elle a disparu! Non, mais Velvet. Velvet! Non! Solid Snail, il faut te battre! Bon, bah c'est entre toi et moi, c'est très cher. Ina. J'aurais espéré que toi, au moins, tu me comprennes. Que tu me comprennes. Quoi? Je suis directement connecté au projet. Pourquoi est-ce que je ne peux pas t'effacer? Parce que j'ai été fait pour te neutraliser, connasse. Je suis Terminator et ma tâche est de te terminer. Mais qui es-tu, au juste? L'invention de Professeur Zero pour te servir, très cher. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que j'ai bouffé? Augmentation de pouvoir. Le pouvoir de Ina s'est réveillé. Vous pouvez désormais ralentir le temps. Je comprends maintenant.
Notre destin n'était pas de nous comprendre, mais de nous affronter. Combat de boss! What? Qu'est-ce que tu me fais? Je suis pas sûr de comprendre. Oh! Oh! Je viens de piger! Et ouais, moi je tape vite, qu'est-ce que tu crois, ma vieille? Bon, on va faire un petit peu de ménage parmi les robots. Je les one-shot tous. Est-ce que je peux avoir Grain à un petit niveau là? Coucou Cérès, tu apprécies mes attaques ralenties? Ah, mais je suis à moitié morte! Non, non, c'est inacceptable ça. Reculez, reculez s'il vous plaît. Donnez-moi un niveau s'il vous plaît. Y a pas moyen de grind un niveau, un petit dernier, s'il vous plaît. Je demande pas grand chose. Juste un petit niveau. Merde. Un petit cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Cérès, qu'est-ce que t'as fou? Ah! Elle a fait disparaître le sol! Blap. Je suis morte au ralenti. C'est pas grave. Deuxième phase ou premier? On retourne. Oh non, on retourne du début. Oh, secours! C'est pas grave. On sait comment ça fonctionne, donc ça devrait bien se passer. À nous deux, Cérès. Oui, je sais. Allez. Ok, messieurs, dames, s'il vous plaît, les robots, faites un petit peu de place pour que je... Pa-pa-da-pa-pa-pao! Je vais faire plus mal maintenant. Parfait. Parfait, aïe. Tire-toi. Cérès, ma vieille. Tirez-vous. Et donnez-moi de l'XP. Parfait. Là, de l'XP. Ah non! Trop loin! C'est pas grave. Vive les Hold Arcade. Tu où? Ah, je peux... Mais pourquoi je suis tombé? C'est quoi cette merde?
suis lent. Fuck. Bon. Elle m'emmerde à rouler, aller n'importe où. Petite potion. Allez, bouffe, bouffe, bouffe. Merde. Raté, très cher. Voilà. Qu'est-ce que... Wouah ! Un Gundam ! Qu'est-ce que... Oh merde ! Troisième phase. Elle m'attaque sur mes points faibles ! Le temps de me soigner. Est-ce que je dois tout reprendre depuis le début? Eh merde, je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Troisième phase, très cher. Vas-y, construis ton Gundam. Construis ton Gundam. J'ai craqué une potion rouge. Tout va très bien, tout va très bien. On va détruire d'abord le manteau. On a dégagé le menton, maintenant il reste la crête. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ah, c'est vrai qu'on peut rester appuyé. Bon, on va y aller doucement, hein. Il me faut une petite potion verte. Vous avez pas beaucoup de commentaires, je m'en excuse, mais j'ai besoin de me concentrer parce que c'est pas vraiment des phases que je maîtrise à fond. Ah, c'est quoi ce bullet L? Ah, on gère comme on peut. Bouffe-toi ça. Là où je pense. Très cher. Voilà. Voilà. Me dis pas que t'as une quatrième phase, je t'en colle une. Merde. J'aime pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Ina. Jamais je n'ai voulu te combattre. Ouais, mais tu l'as fait. Et je pense que tu ne le souhaitais pas non plus. La réalité se disloque.
Je pense que nous sommes allés trop loin. Je n'arrive plus à percevoir ni le passé, ni le futur. Nous avons atteint la fin du temps. Que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, j'ai un bouton reset sur mon jeu, si ça t'intéresse. Le projet a été endommagé par notre combat. Cela sera-t-il suffisant pour arrêter la courbure du temps ? Sans cela, le cycle recommencera sans cesse. Les mêmes époques, les mêmes événements, les mêmes combats. Le même destin pour tous. Et pour nous deux aussi. M'inquiète, très cher. Wouah ! On est passé en mode animé ! Mes forces m'abandonnent. Je vais disparaître, Ina. Et cela me fait peur. T'inquiète, Choupi. T'es passé dans une autre dimension, tout va très bien. Peut-être nous retrouverons-nous un jour. Mais oui, t'as mes cheveux. Et s'il n'existe alors plus de destin ? Tu crois que tu les tiens d'où, tes pouvoirs ? Ensemble, nous changerons ce monde. Les théories que je vous mets dans la tête, là ! Faites vos fictions. Je t'attendrai, j'ai... Qu'est-ce qui se passe? Tu pulses très cher. Dis-moi que t'es pas une bombe non plus. Enfin, pas au sens littéral. Premier degré. Dis-moi que t'es pas une bombe premier degré. Aïe. Qu'est-ce que... Ah. Notre très cher comparse... Ina n'est pas revenue. Il va revenir. J'en suis certaine. Mademoiselle Fina, cela fait plusieurs jours. Nous ne pouvons pas attendre plus. Et qu'est-ce que tu proposes, Ménos, hein ? Partir sans lui ? Je... Ménos a raison, Fina. Nous ne pouvons pas rester ici. Je ne sais pas quelle époque ni quel monde nous attend au-delà... Mais il faut y aller. Alors allez-y! Mais ce sera sans moi. Je ne partirai pas d'ici sans Ina. T'inquiète, t'arrives. Mademoiselle Fina, ce Disney, il est sûrement... Chut, ta gueule, Ménos. Inutile d'insister, Ménos. Elle a pris sa décision. À nous de la respecter. Ah. Nous vous attendrons au-delà du portail, Mademoiselle Fina. Allons-y. Et là, pouf, une Ina. Bon. Ina, où es-tu ? Derrière toi. Dans le cube. Ina ! On va bientôt avoir droit à une déclaration d'amour. La pauvre Fina. Fina, Ina, hein. C'était fait pour aller ensemble. Oh, des souvenirs. Tous ces gens qu'on a négligés. C'est chou. Ah, les mammouths. Oups, il a écrasé le grizzly. Ah, ces prisonniers. Avec les cartons. Ah, ils sont pas cons les cartes, ils ont appris. Dalkin et l'empereur. Lothaire et Dalkin. Ah, l'embrouille. L'embrouille qui a perdu ses sous. Ah, quelle embrouille, hein. Ah, mais c'est chez les démons, ça.
Poutros! Poutros la poutre! Les vieux de l'académie. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que. Ah, le prophète et. Qu'est-ce que. Ah, la vieille! C'est la sorcière! Elle a tout. Elle a craché sur lui! Ça, c'est les gamins. Qui font encore des plans farfelus. Mewtwo, le. Ah, force! Les forces de l'Empire! Souvenez-vous, il envoyait toujours vers d'autres directions. Il s'amuse. Ah, mais c'est les pirates avec lui. Ils ont trouvé un nouveau boss. Et un boss plus fort et plus gros. Et plus balèze. Le dernier viking. Ah non, c'est pas encore le dernier viking. C'est la fonte des glacières, les gars. Il est temps de s'inquiéter et d'apprendre à nager. Pourquoi il y a un troll? Le troll, il troll. Il troll chez les vikings. Toujours en train de se demander dans quel jeu ils devraient aller, s'ils sont bien dans les bons jeux, avec la mère de Fina juste en bas au milieu. C'est celle qui gardait l'entrée. J'avais reparlé en off une fois. Tu t'es égaré, mon vieux, tu t'es égaré. Un peu. C'est pas normal. Littéralement, genre, t'es dans l'anomalie là. Oh, Démonia! Mais il y a du monde à Démonia! Et ils sont tous en vie! Je l'avais dit, le problème c'était moi et Cérès, hein! Qu'est-ce que. Mais c'est Fina! Où est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as foutu, Fina? Mais c'est moi! Elle m'a fait revenir la bougre! Elle m'a fait revenir la bougre! Eh bien voilà, c'était Evoland, enfin terminé après 41 épisodes! C'était une aventure formidable, fascinante! Et qui partait un petit peu dans tous les sens. On a fait des milliards de jeux. C'est magnifique. En tout cas, j'espère que ce jeu vous a plu autant que moi. Est-ce qu'on peut passer, non? Ouais. Allez, je vous laisse la petite course. Hein. Profitez des crédits, c'est pas souvent que je vous les laisse. Franchement, j'ai adoré ce jeu où il y avait tout un ensemble de jeux. Il y a énormément de trucs à compléter. Il y a vraiment la base. T'aimes bien pour découvrir, je pense notamment pour ouais c'est ça, le truc en avion avec la course que j'ai essayé, jamais fini, alors que la démonstration, t'as des points de sauvegarde partout sur la course, non pas de points de sauvegarde, donc vraiment il y a des trucs, la musique, je suis un peu déçu pour le mode musique, je sais plus comment ça s'appelle, je suis mauvaise à ça, hein, sur surtout que j'étais même pas au clavier, j'étais à la manette, dites-vous bien. Alors, vous imaginez bien, appuyer sur les bonnes touches, les bonnes directions à la manette, au jeu ITX, ça marche aussi, en rythme en plus, sachant que mon son, il était mal réglé, je l'avais pas bien la musique, mais j'ai appris ce genre de jeu, j'ai appris à l'ancienne, hein, sur les bornes d'arcade, et c'est beaucoup, c'est pas du tout la même chose, en fait. Pas du tout la même chose. Enfin bref, une histoire qui était fort passionnante, je dois dire. Moi, j'avais la solution dès le début, mais bon, étant donné que Ina ne parle pas beaucoup, voilà. Oh, elle prend soin de moi. Elle pourrait au moins m'enlever mes lunettes, quoi. Ah non, c'est pas grave, je m'en remettrai. Parfait, une petite scène post-générique, j'ai bien fait. Oh, tu es réveillé. Tu te sens mieux. Au portail.
Mon père t'a trouvé au fond de la forêt, évanoui. Tu ne te souviens de rien? Même pas de ton nom? Peut-être devrais-tu aller chercher dans la forêt, cela t'aiderait à retrouver la mémoire. Au fait, je ne me suis pas présentée, je m'appelle Fina. J'espère que tu vas vite te souvenir de tout. T'inquiète, ma belle, je me souviens de tout. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il ne faut quand même faire. Waouh. 83%. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Le petit massage de Velvet par Menos. Ah, ils ont l'air heureux. Ouais, joli. C'est sympa, c'est sympa. Et voilà, ça finit donc ce jeu. En tout cas, je vous le redis encore, j'espère que ça vous a plu. Prochaine fois, je ne sais pas, on va peut-être faire du... Pokémon, c'est sympa, mais ça manque de dynamisme. Et moi, j'aime bien les Metroidvania, donc on va probablement faire un mixte. Ou alors, ça a déjà commencé, je ne sais pas. Sinon, j'ai d'autres Metroidvania en stock. Bref, moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine pour un nouveau Let's Play. Allez, bye bye les gens.